Hello les amis, on est allé à Paris dans un bistrot apocalyptique. C'était le lieu qu'a choisi la Warner pour la soirée de lancement du jeu vidéo Mad Max. Suite au succès du dernier film, il n'était pas étonnant qu'un jeu voie le jour. Tout a été fait pour nous mettre dans l'ambiance. À commencer par voiture du héros, des ateliers de sérigraphie, du live painting, de la musique électro. Et pour les plus courageux, on pouvait même se faire tatouer un joli dessin dans la partie du corps de son choix. Mais bien sûr, la star de la soirée, c'est quand même le jeu vidéo. Il y avait plusieurs bornes de jeu. Il est très très beau. Alors ce n'est pas une redite de l'histoire du film, c'est vraiment une histoire inédite. Attention, c'est un jeu 18+. On n'a pas à jouer assez pour vous dire si le jeu rend fou. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'exploration, de l'aventure et des courses-poursuites en voiture, un peu comme dans le film. Voilà, si vous avez aimé le dernier Mad Max, le jeu est disponible et pourra prolonger le plaisir de cet univers. On se dit à très vite. Ciao les amis!